Salut, comment tu vas? Je me présente Sarah Leblanc, massothérapeute agréée et naturopathe, et mon entreprise, c'est Mosaïque Santé. Aujourd'hui, dans ma capsule, je vais te parler, en fait, c'est des avertissements que j'ai besoin, que je dois faire. Ces avertissements-là, c'est pour toutes les conférences, pour toutes les formations et les capsules que je fais en lien avec la naturopathie et la massothérapie. Et les avertissements vont comme suit. Je ne suis pas médecin. Les informations que je vous donne, ça sert à améliorer. C'est des conseils qui vont servir à améliorer votre santé, faire de la prévention, conscientiser du pouvoir que vous avez sur votre santé et par la même occasion, ben, aider à améliorer la santé et à se sortir de certains symptômes qu'on aimerait se débarrasser. C'est important de rester à l'écoute de nos symptômes. Vous êtes les meilleurs juges pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas bien. Peu importe les recommandations, les suggestions qui sont faites, que ce soit au niveau des plantes, au niveau des huiles essentielles, au niveau de l'alimentation, au niveau des exercices, vous êtes le meilleur placé pour savoir est-ce que vous pouvez ou pas le prendre ou le faire. Si en prenant les recommandations, les suggestions que je fais, et ce sont des suggestions vraiment d'ordre général, si vous choisissez de les suivre, soyez à l'écoute de vos réactions du corps. Parce que quand on commence à changer, soit une alimentation, soit faire des nouveaux exercices, prendre des plantes ou prendre des huiles essentielles, oui, il peut y avoir des réactions dans le corps. Donc, s'assurer que les réactions sont positives. Si c'est négatif, c'est à vous de les arrêter ou de les diminuer. Fait que vous êtes vraiment le seul juge, surtout si vous choisissez de le faire seul. Je recommande aussi d'être accompagné par la bonne personne, une personne compétente, pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser les produits et c'est quoi les posologies qui vont venir avec. Ce n'est pas parce que c'est un produit naturel, ce n'est pas parce que c'est une plante ou une huile essentielle que ça ne peut pas nuire à la santé. Au même titre qu'un médicament, si tu ne viderais pas une bouteille d'aspirine, tu ne vides pas non plus une bouteille de plantes. Donc, il y a des façons de les prendre et il faut s'assurer de les prendre de la bonne façon. Donc, c'est ça. C'est que soyez attentifs à vos réactions et s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, prenez contact avec votre thérapeute. Ça va être la meilleure façon de s'assurer de régler la situation. Fait que je vous souhaite une belle vie en santé, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.